Je suis avec les élus du conseil départemental des collégiens qui ont réalisé eux-mêmes ce livret zéro gaspille avec toutes les recettes qu'ils ont inventées. Mais maintenant, le but, c'est quoi? C'est ensemble, avec un chef moi-même, nous allons les réaliser. Tuto zéro gaspille, scène 7, prise 1. Action. On garde la peau et on part à froid pour monter ensuite en température. D'abord, on va préparer les ingrédients. Donc du coup, comme dans Top Chef, j'ai entendu, c'est exactement ça. Les Top Chef, c'est vous, là. Coupé. Ah, Fabrice, on l'a refait, on n'est pas bon, là. Vas-y. Eh bien, c'est très bien. Check. En fait, vous venez frotter comme ça. Ça part tout seul. Les pommes de terre, le sel, le poivre, les jaunes à l'intérieur. Et il y en a une qui fait que malaxer. On continue à aller un peu plus encore. Arrête le poivre, arrête le poivre. Ah. Erwan, un tout petit peu d'ail, un tout petit peu à l'intérieur. Tu mets pas le jus, Marguerite. On va le manger? Ah oui, vous allez le manger, oui. En fait, j'ai fait chauffer l'huile. Hein? Hop, je mets à frire les boulettes. Faites avec amour. Merci Marguerite de me préciser ça. Voici quelques astuces pour éviter de gaspiller. Je cuisine les bonnes doses indiquées sur les recettes. Je cuisine les restes, je place au réfrigérateur les aliments non consommés pour les recuisiner le lendemain. Non, on se sent très écologique parce que rien n'a été gaspillé, donc c'est génial. Bravo Erwan, bravo Marguerite, bravo Elsa, bravo Anaëlle. Bon, j'espère que la recette, ça vous a plu? Oui. Vous pouvez retrouver d'autres recettes sur leur livret Zéro Gaspille. Zéro Gaspille.